Moi, je vous reprends avec le mot Jav. Le problème du nouveau T2M, il est beau et tout comme ça, il est très bling bling. Mais il est très cher pour ce que c'est et il est aussi bas qu'un sledge. Mais sauf qu'un sledge, maintenant, on peut monter. On a de la suspension, tu vois. Il est hyper lourd, hein. Merde, la portée, voilà, en plus, hein. Moi, j'ai modifié les ressorts hier. Mais tu vois, il peut un peu monter et tout. L'autre, il est très bas. Il y avait le craton au jouet club à côté. J'ai comparé les deux. C'est ça qui est un peu dommage, tu vois. Tu m'attends, Chris? Attends. Ah, c'est ce que je pensais. Le passage de roue, il est pas dedans. Voilà. Tu l'entends tout de suite, ça frotte tout le temps, tu sais. Attends, je refais. Opa! Bon, il tape, hein. Il tape fort par rapport au DF7, tu vois tout de suite que la différence. Ouais, je sais, c'est pour faire un petit live, mais j'ai pas mis le téléphone encore. Vas-y, mets-toi en place, je m'en occupe. Comme tu veux. Celui-là, il est sympa parce que tu t'attends pas à ce que le machin va aller. Bah, j'arrive. On s'amuse un peu avec Chris. Ouf! Donc c'est pareil, donc mon pote Chris, il a sa chaîne TikTok Hit, ah ça y est, je sais plus, @maniteur 8581, c'est ça? Voilà, donc allez faire un tour, je mettrai le lien en dessous de la description, vous verrez, il y a des petites vidéos sympas, c'est super cool. Oh non, ça y est, je suis nouveau passé derrière. Attends, je suis sur les roues, je crois. Tu vois, et en fait, tu sais où est-ce qu'il la faut, la plateforme? Là, c'est pas bien, il la faudrait presque ici. Tu vois? Là, et en fait, il nous la faudrait ici, parce qu'on est assez dégagé pour pouvoir voir là-haut. Et... sympa. Franchement, il faut qu'on se fasse un petit truc. Tu fais la plateforme là et tu as la vision sur tout le parc. Voilà, c'est ça. Tu vois, en fait, là, peut-être pas entre les arbres, mais vraiment peut-être ici, tu vois. Mm. Et avec un pont dessous, parce qu'on pourrait passer avec les RC. Oh, bah j'ai déjà perdu mon drapeau. Oh, t'as dû le perdre là-bas. Ouais, bah. La technique là-haut, Fabio, c'est que quand tu prends le virage relevé, il faut un tout petit peu tourner les roues, tu vois. Mais à peine. Ouais, et pas donner de gros coups de gaz parce que sinon tu pars. On va essayer de pas se tuer. On va en profiter, on va faire un petit live. Donc avant DF7, maintenant le Mojav. Et tu sais quoi? Faudra voir avec le TB7. Hein. Waouh, waouh, waouh. Mais le... Il est beaucoup plus crémeux à rouler que... Le DF7 est plus crémeux à rouler que le Mojav, tu vois. Ouais. Ah ouais. Alors, on va redresser un peu. J'ai là, le téléphone qui chute. Joli Fabio. Vas-y Chris. Bah, c'est un peu dur. Ah.
Là, je suis dans le chemin, je m'enlève. Oh, oh, je me suis cassé la gueule là-haut. Attends, on va faire un truc. Je vous accroche. Tu me sors, Chris? Merci. Merci Chris. Voilà, un peu plus pratique comme ça. J'ai accroché le tel. Hop là. Je me disais un truc. J'étais qu'à 75%. Ah, j'ai nouveau perdu mon fanion. Ah, il tient pas le drapeau. Je viens de voir passer un X-Max de près. Pardon. Chris, j'étais à 75%. Vas-y, vas-y. Tu sais que... Fais coucou, là. Hello. On est en direct. Hein. T'es prêt? Ah, ça c'était moins beau parce que je crois que je me suis retourné de l'autre côté. Ah, j'en profite, mais... On va regarder les coms. Salut à tous. Ah, merci Chris. J'étais où finalement? Je n'ai même pas regardé. Donc tu pouvais pas trop sortir. On était sur les roues, mais. Bon, j'ai moins de scrupules à l'envoyer lui que le DF7 avant. J'aurais dû ramener le traité. Oh, je me suis de nouveau sorti. Hop là. Oh, il y a un bruit. Ah, t'as une branche. celui-là il est passé près, je pense, non? Ouais. Et arbre! Ça, c'est un arbre! Ah, alors ils sont où les X-Max? Bon, défi poussière les gars. Allez, on est sortis tous les trois ou? Il y
Il y avait tellement de poussière que je le voyais plus. Allez, je fais un dernier saut pour le live et après je coupe, je reprendrai quand j'aurai le sledge parce que je peux le mettre sur le téléphone, sur la commande. C'est, hein? Wow, 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 wow. Je t'ai regardé, je me suis sorti aussi. C'était pour le fun, hein. Alors j'ai mon fils qui est pas avec nous, mais il vient de me faire salut mon père. Avec les roues là, tu sais. J'ai pas assez de ballonnage, il n'arrive pas à récupérer. Merci à tous, bon, je vais couper là. Je referai tout à l'heure avec le set, au moins j'aurai le téléphone sur la commande. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ça aussi, c'est 7 minutes de... Eh, même ici, si on se met en hauteur, on verra pas assez, tu vois. Parce que... Non, mais ici, attention, t'as mieux, parce que on va voir si t'es droit, tu vois, mais tu pourrais te tourner, là, tu vois. Bah ouais. Allez, ça, c'est mission suicide. Oh, la carreau, elle a pas aimé. Ah là, ah, c'était beau. Hein. Bon, je l'aurais fait, mais il faut que je m'enlève parce que... C'est quand même mieux à 100% qu'à 75. Hein. Quand vous êtes prêts les loulous, vous me dites. Ouais. C'est bon, Chris? Ouais. Je sais pas où je suis. Et il a pris un arbre avec le toit. Voilà, bon, j'étais vraiment pleine balle dans le virage. À la reprendre sur la boîte, ah, j'ai un problème, il tourne plus. Si, c'est bon. Je devais avoir une saleté coincée dans la direction. Ouais, un dernier. Il y a quand même j'ai quand même un problème sur la direction. Regarde, hop. Ah, j'ai de nouveau le bras du cerveau qui a décroché. Bah, en même temps, t'as vu ce que tu as donné là. Voilà. Ah, là, t'as fait. En fait, le choc est clair là-haut. Ouais, mais j'ai. Tu sais ce que c'est? C'est la direction en alu qui. Il y a une direction en alu dessus, tu vois. Ouais. Et j'ai de la merde dedans. Non, j'ai le bras du cerveau qui est mort. Mais je pense que c'est le cerveau qui a mangé. Oh, ça va. Allez, encore un. Il veut bien y aller. Ah non, c'est le bras du cerveau qui est parti de travers et j'ai pas réussi à le rattraper. Bon, ben on va sortir le sledge. Hein. Ouais, je pensais même le cerveau, les canures, tu vois. J'avais déjà rechangé le bras, mais... Le gars, il est là pour détruire. Non, 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 t'inquiète pas, je peux le récupérer, moi. Le Mojave, Chris est déjà dessus. Et sans mentir, je crois que j'ai deux autres personnes au moins dessus. Ouais. C'est pas mieux, la crise, hein.
Chris, c'était le premier, puisque c'était le premier à savoir que je l'avais. Bon, là, les gars, je vais vous laisser là-dessus. On va sortir de ce ledge. Hein. Là, j'ai un problème de palonnier de cerveau que j'avais déjà eu. Et j'ai réparé hier vite fait. Et ma réparation n'a pas tenu. Voilà. J'ai nouveau dû bouffer les canelures. Donc, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.